Bonjour Linda Kebab, vous êtes déléguée nationale SGP FO Police. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Un CRS aux assises, est-ce que vous y voyez la volonté de faire un exemple en plein mouvement des Gilets jaunes? C'est vous qui le dites, et si vous le dites, c'est que ça se défend. Oui, en effet, on est dans un contexte social et politique qui est assez particulier, où on a aujourd'hui une partie de l'opinion publique, en tout cas très bruyante, même si elle est minoritaire, qui demande la tête de flic par la justice. Et plutôt que de laisser la justice faire son travail dans le temps, on prend un policier sur une affaire qui date de 2016 et on le renvoie aux assises, alors même qu'on peut discuter des éléments intentionnels et criminels de ce policier, puisque son intention n'était pas de blesser, mais de défendre. Ensuite, on peut travailler, notamment au niveau de la justice, sur l'argumentaire et notamment le sentiment pour ce policier d'avoir agi en légitime défense. Mais est-ce que l'intention criminelle de porter atteinte à quelqu'un de manière illégitime est actée? Ça, on en doute. Et malheureusement, pour aller en assise, il faut cet élément matériel. C'est du droit, c'est de la justice. On fait pas de la politique avec la justice. Malheureusement, on s'interroge aujourd'hui et on se dit, est-ce que c'est pas le cas? Linda Kebab, est-ce que selon vous, ça augure d'autres cas comparables? Je rappelle que depuis le 17 novembre, 240 enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN. Oui, mais depuis le début, on n'a jamais été dans le déni, contrairement à d'autres en face. Et c'est dommage d'être juste dans une scission où on dénie, où on retire aux policiers le droit d'avoir été blessés. On a des policiers qui sont éborgnés, on a des policiers qui sont mutilés. Sauf qu'en face, on a toujours des personnes qui renient ces violences. Là où nous avons toujours parlé de la nécessité d'avoir des enquêtes de justice. On est toujours dans le respect du droit, parce qu'on est dans un état de droit. Sauf qu'aujourd'hui, on se dit, est-ce que finalement la justice ne s'est pas politisée? Est-ce que celle-ci n'est pas en train de se prononcer dans un contexte social particulier? Je ne vais pas faire le commentaire sur d'autres décisions de justice antérieures, mais on a déjà eu des fois des décisions qui ont été ouvertement données pour satisfaire l'opinion publique et pour la paix sociale. Ce policier, est-ce qu'il avait l'intention criminelle? Non, sauf que c'est un élément matériel qui est nécessaire pour envoyer aux assises. Est-ce que aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes a influé? Vous le dites vous-même, et c'est une interrogation qui est fondée, parce qu'en effet, c'est le cas. Et surtout, le pire, c'est qu'on renvoie un homme qui était récemment affecté au CRS au moment des faits. C'était une journée qui était très violente. On a une journée ce jour-là, on a un événement ce jour-là. Vous savez, ce policier CRS qui était une torche humaine, hein, la photo avait fait le tour du monde, c'est ce même jour. Donc dire que c'était dans un contexte d'accalmie, c'est faux. Sauf qu'on a un policier à qui on a mis des grenades entre les mains. Et aujourd'hui, on a un État qui n'a pas pris ses responsabilités. Un syndicat de policiers organise aujourd'hui un colloque sur les suicides dans votre profession. C'est un mal profond, un mal qui s'intensifie. Est-ce que ce genre de dossier est de nature à alimenter un peu plus la colère des policiers? Bien sûr, parce que on a un sentiment de désespoir en fait dans les rangs, où on se rend compte que on remplit une mission avec des valeurs, avec la volonté d'assurer la sécurité des victimes, avec la volonté d'approcher des personnes qui ont besoin des forces de l'ordre, parce que elles ont malheureusement face à elles des criminels et des délinquants qui font fi des humains. Et puis on dit aux policiers, en fait, vous êtes des moins que rien, vous êtes des criminels, on vous renvoie aux assises, vous ne valez rien et vos vies ne valent rien. Et d'ailleurs, on a vu dans ce débat ces dernières semaines, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, que dès lors qu'on a voulu humaniser les policiers, on nous a renvoyé à une espèce de robotisation de nos personnes. On est aujourd'hui au sein d'un débat de société qui mérite vraiment qu'on prenne en considération l'individualité des policiers. Et aujourd'hui, qu'on envoie un des nôtres comme un bouc émissaire satisfaire la vindicte populaire ne nous convient pas. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.